Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Destination H2O. Nous sommes ici dans le nord-est de la France, sur un lac de cœur que j'ai abordé la toute première fois en 2012. C'est un lac qui est entouré d'immenses forêts de chênes, de très grandes roselières, le cadre est vraiment idyllique. Et la particularité de ce grand réservoir, un petit peu comme la plupart des réservoirs de France, c'est que la pression de pêche s'y exerce depuis pas mal d'années maintenant. Donc les poissons sont devenus méfiants avec le temps. Et donc la difficulté, elle est bien sûr de localiser les poissons, mais aussi et surtout de les capturer. À cette occasion, pour cette session, je suis accompagné donc de Thierry, derrière la caméra, et de mon ami Jean-François. Allez, c'est parti! Notre session débute 2 jours avant l'arrivée de Thierry pour filmer. On filme comme on peut avec Jean-François, car l'action est vraiment soutenue, et c'est compliqué d'être à la fois devant et derrière la caméra. Les conditions de pêche, elles, sont idéales. Les poissons sont au rendez-vous, cet H2O débute vraiment très bien. Allez, ma belle. Yes! Bon, je suis ravi. Je m'attendais pas à autant d'action. C'est un destination H2O qui démarre très très fort. En espérant que ça continue. Et voilà la petite pépite. La journée redémarre, ça pique un peu, on s'est levé bientôt avec Jean-François, le temps d'installer bien sûr le bateau. J'ai pu mettre mes 4 cannes et au moment de positionner les cannes de Jean-François, bah déjà une première touche, donc c'est vraiment de super bon augure. On a une météo qui sent aujourd'hui, qui va, je pense, être un peu plus chaude, qui fait déjà bien meilleur là ce matin. Bon, j'espère que la journée va être vive. Joli poisson qui demande qu'à grossir. Ce début de session est explosif, au regard du nombre de poissons que l'on capture chaque jour. En l'espace de 3 jours, nous avons eu finalement 25 touches pour 21 captures, sur ce grand lac qui subit, il faut le reconnaître, une forte pression de pêche tout au long de l'année. On peut le dire, c'est un carton, et ce que je peux même ajouter, c'est qu'on pensait vraiment pas en faire autant. Le festival continue! Yes, joli poisson, une belle commune, attrapée en plein milieu de matinée sous un beau soleil. On a redistribué les cannes avec Jocelyn sur notre stratégie. Et finalement, ce matin, ce poste produit 3 départs. On pêche aussi en nylon, ça change un peu la donne probablement. Voilà, on espère que ça va continuer. On va les remettre à l'eau. Super poisson, massif poisson. On est revenu sur le bord pour faire de plus belles images. Bon, c'est un poisson évidemment qui a quelques stigmates qui témoignent en fait de la pression de pêche. Il y a une forte pression de pêche sur ce lac, même si ça fait plusieurs centaines d'hectares. Je suis ravi, on fait vraiment une super pêche avec Jean-François. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Allez, ma belle.
Premier poisson de la journée. Top. Ça démarre très bien. On arrive dessus là. Une belle matinée qui se termine à l'image des deux jours précédents. Trois poissons. Trois mâles. Des poissons calibrés comme ce qu'on a capturé depuis le début de cette explosive session. À l'exception de cette donc grande femelle que j'ai eu le plaisir de mettre à l'épuisette. Très beau poisson. Ouais. On a envie d'en capturer d'autres. Oui, on va changer de secteur. Et on va changer de secteur. On a préamorcé un secteur en rentrant hier soir. On est sur une autre partie du lac. On a préamorcé 5-6 kilos. 5-6 kilos de billes, il est allé très très large, sur lequel en fait on va mettre finalement pas trop de cannes pour pas mettre trop de pression de pêche, ouais. Probablement 4 à 5 cannes, et puis mettre les autres cannes en spot dehors de l'amorçage. Ouais. Et puis on en profitera pour se mettre un peu à l'ombre. Ouais, parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Ouais. Ils ont annoncé 37. Ouais. Donc bon, on y va? On croise les doigts, go! Nous sommes en pleine période d'après-frais et la majorité de nos touches est constituée de mâles de même taille. Le ralentissement des touches sur notre troisième journée et notre gourmandise nous pousse à tenter de renverser la situation en basculant sur un autre poste, cette fois du bord, pour tenter de capturer plus gros. Séance de repérage, d'amorçage, on relance le jeu. La ligne est placée, donc vraiment dans une poche de vase, c'est évidemment minutieux, d'où l'utilité d'un GPS qui permet d'être vraiment beaucoup plus précis à 1 ou 2 mètres près. Et c'est vrai que autant en début de session les poissons étaient très actifs que là désormais la météo elle a complètement changé. Donc évidemment ça a de l'effet sur l'appétit des poissons et pas en notre faveur. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer de minutie, identifier vraiment les golden square meters, hein, ce que j'appelle ces poches où les poissons vont venir s'alimenter. Et puis j'ai essayé de mettre un peu de pelée, un mélange de pelée végétale et de pelée carnée. J'ai pas voulu mettre trop de carnée parce qu'il y a aussi du silure. Et puis j'espère que ça va stimuler les poissons.
Après une journée passée sur ce poste, le constat est simple. Pas d'activité du tout. On a un changement radical de météo aussi qui n'est pas favorisé non plus l'exploitation de ce poste à 100%. On envisage quand même De redéménager finalement. De redéménager, de chercher une autre partie du lac où les poissons sont peut-être plus actifs parce que ici finalement, malgré le préamorçage, on a zéro activité. On a prospecté pas mal de baies et finalement le constat c'est que les poissons sont pas partout. Non, ils sont vraiment pas partout. Il y a vraiment des baies qui étaient désertes, on a trouvé juste quelques poissons, des petits poissons. Ouais. Par contre, ça nous amène aussi à une réflexion, c'est que les gros poissons sont peut-être quand même encore en pleine eau. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a continué à amorcer notre premier poste. Celui sur lequel on a fait notre pêche. Ouais, on l'a entretenu parce que la pression de pêche est quand même très importante sur ce lac. Et on a remarqué que les postes s'épuisent très vite. Pour éviter de l'épuiser à 100%, on a continué à l'amorcer sans le pêcher. Et je pense qu'on va essayer cette baie. On va probablement retourner faire une journée sur notre premier poste. On va terminer les quelques heures de cette matinée sur le poste et puis on va se diriger, on va surtout préparer nos affaires et nous diriger sur cette baie pour bien préparer le coup du soir. Oui, on croise les doigts. La tentative sur ce poste du bord semble improductive. On décide alors de continuer à entretenir l'amorçage de notre précédent poste en pleine eau, où nous avons enregistré de nombreuses touches. En parallèle de cet amorçage, on décide quand même de tenter un tout autre poste, cette fois situé non pas en pleine eau, mais dans une grande baie, balayée par le vent, pour vérifier si des poissons par ces températures caniculaires ne seraient pas plus réceptifs. Enfin installés dans notre baie, les cannes pêchent, et nous profitons du moment pour partager un barbecue avec un joli coucher de soleil, typique des grandes étendues d'eau. Et voilà la pépite, capturée après quoi 30 minutes de pêche, à peine. On venait d'installer tout juste la troisième canne et elle a démarré donc sur un fan giro avec une pop-up rose, citrouse. Voilà, bah super. C'est un bon démarrage de matinée. Comme quoi, même avec des fortes chaleurs, on a trouvé dans cette baie quelques poissons actifs. Actifs, ouais.
Super, je suis ravi. Parce qu'avec une température d'eau à 30 degrés, j'étais quand même super incertain. Et bah là, ça me rassure à fond et j'attends la prochaine. Allez, on la remet à l'eau. Double run en 5 minutes d'écart. Bon, allez, on va s'occuper de celle-ci. Et voilà la pépite. J'ai une petite commune capturée sur un twister et puis un bonhomme de neige en cas des rigs. Allez, ma belle. Voilà une magnifique miroir, un matin de fou. Regardez-moi ce poisson. Quelle session de dingue. Un truc de malade. Oh, vache, le poisson, sublime. Bravo Jeff. Joe. Merci. Yeah. Encore une magnifique miroir. Regardez-moi ça. Massif miroir, capturé en plein milieu de l'après-midi sous un soleil de plomb. Incroyable. Regardez ça, superbe. On vient de terminer de faire notre rappel. Il nous reste quoi, une petite heure de pêche. On est ici sur une baie qui est extrêmement peu profonde, 1m60, 1m70 d'eau. Donc on essaie vraiment, c'est ce qu'on souhaite, limiter au maximum les déplacements en moteur électrique et à la rame pour pas effrayer les poissons. Donc on fait tous nos rappels avec le cobra et le dot, que ce soit pour le pelé ou pour les billes.
Et je pense que ça a joué en notre faveur aujourd'hui. Nous nous réveillons sur notre poste de la pleine eau, amorcée depuis plusieurs jours maintenant. Les premières heures de pêche n'ont rien donné, et nous commençons à accumuler de la fatigue. Il faut reconnaître qu'en juin, les journées sont longues, plus de 15 heures par jour, et aussi très chaudes. Nos températures oscillent entre 37 et 40 degrés. C'est dur, hein ? Le manque d'activité des poissons le jour et l'activité nautique autour du bateau-cabine est de plus en plus forte, ce qui ne facilite pas la pêche. Par curiosité, Jean-François décide de partir faire un peu de repérage et s'arrête l'espace d'une demi-heure dans une baie où il n'est pas possible de pêcher. Alors, je vais profiter de ces fortes chaleurs et de cet ensoleillement pour venir prospecter un peu cette baie. C'est une magnifique baie très préservée où le moteur est totalement interdit, donc on doit y évoluer avec les rames. J'ai approché quelques poissons là qui sont en maraude, qui prennent un peu le soleil. J'utilise le prodding stick pour les approcher tranquillement puisque c'est des poissons qui sont quand même très méfiants et très craintifs, donc il faut les approcher vraiment silencieusement et le prodding stick pour ça est vraiment adapté. Donc on en a vu quelques-uns, c'est pas une baie qu'on va exploiter pour la pêche, mais c'est toujours intéressant de prospecter ces baies pour voir le cheptel, pour se faire plaisir tout simplement. Le manque de touches en pleine eau nous fait dire que notre amorçage n'a pas été efficace. Il est temps de déménager, terminer cette session dans la grande baie que nous avons pêchée préalablement et qui a été prolifique. Il nous reste 2 jours de pêche et on espère vraiment que les poissons seront actifs. Nous étions hier sur le poste en pleine eau, un poste qui nous a valu pas mal de réussite en début de session. Très belle réussite. On n'a rien pris. Non. Ça a été une journée particulièrement difficile. Ouais, la chaleur est vraiment, vraiment très élevée. Exactement, 29 degrés de température en surface pris avec la sonde de l'écho. Donc c'est dire à quel point l'eau est chaude. Et puis une activité nautique extrêmement forte qui nous a aussi pas mal gêné en fait dans notre pêche. Et nous voilà de retour dans cette baie. Oui, dans cette baie qui est brassée maintenant depuis hier par un vent assez soutenu. Ouais. On a laissé reposer le coup pendant une journée. J'espère que ça sera bénéfique
pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur un plan d'eau qui est quand même très pêché. Ouais, on a une grosse pression. Ouais. Et l'objectif à chaque fois, évidemment, c'est de ne pas mettre trop de pression de pêche durant trop de temps, en fait, sur un même endroit. Parce que sans quoi, on peut faire fuir les poissons, évidemment. Et donc, on a vraiment voulu préserver l'endroit, mettre une pression de pêche juste sur une journée, laisser reposer une journée. On est revenu là, de manière à essayer de capturer quelques poissons. Ouais. Allez, on termine ce café. Et on va réamorcer. Et on réamorce. Je viens de remonter ma canne, je vais en profiter pour changer mes appâts et je voulais en profiter pour ajouter quelques mots descriptifs et à la fois du secteur, du poste, mais aussi et surtout du corps intermédiaire de ligne qu'on est amené à utiliser avec Jean-François. Pour les cannes qui sont à proximité d'obstacles, nénuphars, roseaux, là on utilise des corps intermédiaires de ligne en tresse et ça pour se donner plus de chances de réussite de mise à l'épuisette. Pour ce qui est du milieu du bras, là on utilise plutôt du nylon, donc là c'est le bullet mono en 33 centièmes et ça pour gagner en discrétion en fait, parce qu'on est convaincu que sur des eaux comme celle-ci, qui malgré plusieurs centaines d'hectares connaissent une pression de pêche assez forte, et bien que les poissons apprennent à se méfier des lignes et des grosses lignes, et notamment des lignes en tresse. Voilà pourquoi on utilise le nylon dans le cadre de cette session. Voilà, je viens de retirer ma canne parce que j'ai une petite tirée. Je ne sais pas si c'est dû à la pointe, elle était un petit peu émoussée. Peut-être que j'ai touché un caillou avant en la ramenant. J'ai remis un coup de lime pour que ça pique à 100%. Et là, on va la redéposer. Il nous reste à peu près 3 petites heures de pêche. Donc j'ai écrasé quelques bouillettes, j'en ai coupé en deux. Et ben, on espère que voilà, les poissons seront un peu actifs ce soir. Le soleil se couche et les détecteurs sont restés muets. La chaleur va enfin se dissiper et on en profite pour partager notre dernier barbecue sur le bateau cabine. On a passé une incroyable semaine, tant du bord qu'en bateau sur cette immensité. On croise les doigts car demain est notre dernière journée.
j'avais repositionné ma dernière canne en fond de baie et je voulais ajouter quelques mots sur le badling que je vais utiliser pour pêcher ce fond de baie à proximité de nénuphar. Donc là il s'agit d'un badling en armor link qui est plutôt long, un peu plus de 30 cm parce que les fonds sont quand même très vaseux ici. Donc pour faciliter une bonne présentation, il est préférable quand même d'allonger la taille du badling. J'ai ajouté de la poutie, de la pâte plombée de manière à ce que l'armor link soit bien plaqué dans le fond. Ici c'est un hameçon en twister en taille 4, présenté en bonhomme de neige, en cornilette crush. Le montage est réalisé en cas des rigs. Ici j'ai équipé un clip long avec un plomb poire qui a la faculté de bien tenir sur les fonds vaseux. Et puis il est monté sur un snag leader en 50 centièmes. Voilà, dans l'éventualité où le poisson viendrait à se réfugier dans les nénuphars et si le combat devait être un peu plus musclé. Allez, je vais repositionner ma canne. Jeff. Présente un joli petit mâle capturé à l'instant, bordure d'un banc de nénuphar, joli poisson tout en longueur. On va le remettre à l'eau. Voilà pour terminer et clôturer cette superbe session. Joli miroir, capturé très tôt ce matin. Super. Il est temps de plier et il fait encore très chaud. Avant de prendre la route, on décide de se rafraîchir un peu. Rien de tel qu'un grand saut. Nous sommes ravis de cette session avec Jean-François. Le challenge a été éprouvant, mais on l'a relevé.
capturer des poissons et plusieurs beaux spécimens sur un lac de plaine qui subit une forte pression de pêche depuis le milieu des années 90. On a bougé à plusieurs reprises, on a effectué un gros travail de prospection et on s'est assuré de déposer nos montages avec précision. Et c'est sans doute ce qui nous a permis d'être récompensés. Destination H2O, ça continue, et je vous donne rendez-vous dès maintenant pour un prochain épisode complètement différent qui sortira avant la fin de l'année. À très vite.